Bonjour à toutes et à toutes, c'est Darkseid. Nous sommes le 20 juin 1994 et c'est la Coupe du Monde aux États-Unis avec le groupe B et l'entrée en lice de la Seleção, le Brésil, qui entre dans cette Coupe du Monde face à la Russie. Le Brésil avec son duo d'attaque Bebeto Romário. On attend beaucoup de cette équipe brésilienne menée par Rai, son capitaine. On a vu le premier tir brésilien. Et attention, les Russes espèrent bien également se qualifier dans ce groupe où il y a le Cameroun et la Suède. Alors pour Romário. Romário qui se décale, la frappe elle est légèrement contrée. C'est sans problème pour Dimitri Karine. Le Brésil qui met la pression. Avec le débordement tendu, Romário qui a failli tromper Karine. Encore une fois, le Brésil qui accentue sa domination. Bebeto, le tir croisé de Bebeto, ça passe devant les buts. Et à la mi-temps, 0-0, une équipe brésilienne qui ronronne pour l'instant, mais qui n'a pas encore trouvé l'ouverture face à cette équipe russe. Et attention, là, le mauvais ballon, récupération Romário. Romário qui va aller défier Dimitri Karine. Romário, le plat du pied, c'est l'ouverture du score pour la Seleção. Le but de Romário, voilà, sur une erreur, les Russes avaient été très solides en première mi-temps. Et c'est sur une erreur, regardez, la passe est contrée et Romário a le champ libre pour aller tromper Dimitri Karine. 1-0, le Brésil trouve l'ouverture. Corner de Leonardo avec une tête et le deuxième but du Brésil, c'est le but de Rai, le numéro 10 brésilien. Et ça fait 2, voilà. Il me suffisait de mettre le premier. La défense russe est déboussolée. Ça fait 2-0. Le Brésil, donc, s'est mis à l'abri. Attention, réaction avec Carpine. C'est au-dessus. Et une demi-volée de Rai. Un petit peu prise de l'extérieur. Ça passe à côté. Les Brésiliens toujours. Ça combine pas mal, Leonardo. Bon, joli geste, la reprise de Bebeto et la parade de Karine, c'était bien joué. Voilà, c'est le Brésil qu'on nous annonçait. Encore un ballon, Bebeto, la frappe. Allez, une réaction sur le côté pour Korneïf. Korneïf, le centre, repoussé par les Brésiliens. Ça va revenir peut-être, non? Oui. Avec un ballon pour Valérie Carpine, 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 équipe marque, 2-1, réduction du score par Valérie Carpine, magnifique frappe à l'abord de la surface de réparation. La Russie se donne un petit peu d'espoir, on va revoir ce but, bel équilibre. Taffarel un peu masqué, il est surpris, regardez Taffarel, tant qu'il effleure le ballon, et oui. 2-1, et pourquoi pas venir accrocher l'égalisation en toute fin de match avec Korneïf. Korneïf sur le côté. Oh, peut-être une balle de but pour Popov, le centre. Ah, il a cherché le tir et c'est terminé. 2-1, le Brésil s'impose. Groupe F de cette Coupe du Monde 1994, rejoué sur PES 2013, PlayStation 3. L'entrée en lice d'un autre favori outsider, c'est la Hollande, les Pays-Bas opposés à l'Arabie Saoudite qui découvre la Coupe du Monde. Les joueurs asiatiques, on donne pas cher de leur peau face à l'ogre hollandais. Voyons ce qui va advenir. Les ballons, le relais avec Jonk. Jonk qui va aller se présenter, qui va ouvrir la marque. Voilà le premier but pour les Oranges. Le but de Wim Jonk. Très belle combinaison. Et la défense saoudienne qui se fait transpercer d'entrée.
dans ce groupe où il y a également la Belgique et le Maroc. Allez, une réaction peut-être là par les Saoudiens qui ont été surpris. Avec une belle frappe et la parade de Van Breukelen. Il faut que les Saoudiens jouent sans complexe. Ils jouent leur football car aujourd'hui ça va être compliqué face à les Hollandais. Ils connaissent bien sûr les difficultés d'une Coupe du Monde avec une frappe de Bergkamp en pivot. C'est à côté. Allez, un corner pour Witschke. C'est repoussé. La frappe puissante et la parade. L'Aldeia, heureusement. Bergkamp le relais, ça s'est bien décalé. Il y a des espaces pour Marc Overmars avec sa vitesse. Overmars, le joueur de l'Ajax. Le centre, la tête de Bergkamp et s'est repoussé sur la barre. C'est chaud. Cette première mi-temps, les Saoudiens ne sont menés que 1-0, mais ça pourrait faire plus mal. Et ça combine bien côté hollandais. Brian Roy qui est sur son côté. Il a levé la tête, le centre, la reprise, plat du pied. Et le deuxième but. Deuxième but des Pays-Bas par Dennis Bergkamp. Le plat du pied parfait. Voilà le break. En cette nuit américaine, un des rares matchs à se dérouler de nuit. Eh oui, Dennis Bergkamp, 2-0 à la pause. L'Arabie Saoudite. Il essaye avec une frappe lointaine dans les bras d'Eptegoy. Overmars. Attention, Witschke, Torment, Bergkamp. Et le troisième but. 3-0 pour la Hollande. Le doublé pour Dennis Bergkamp. Lui, l'ancienne gloire de l'Ajax, maintenant à l'Inter de Milan. Le beau ballon de Taument. Et là, c'est magnifique. Aldeia est transpercé. 3-0. Ça commence à faire sévère quand même là, pour les pauvres Saoudiens qui découvrent donc la Coupe du Monde. Attention, Overmars qui récupère un ballon dans les pieds du défenseur. Overmars, il a Bergkamp au centre. Overmars, toujours Overmars. Overmars, petit filet, 4-0. Ouh là là, c'est une démonstration là que nous font les Hollandais. 4-0, la vitesse d'Overmars, sans pitié, implacable. Regardez, la récupération dans les pieds du défenseur saoudien. Et là, c'est soit il y va tout seul, soit il choisit Bergkamp. Il y va tout seul, 4-0. Il reste un quart d'heure à jouer. Alors, les Saoudiens... Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire? Oh, un beau ballon pour Al-Jaber qui n'est pas hors jeu. Al-Jaber et la réduction du score. Le but, le premier but de l'Arabie Saoudite dans une Coupe du Monde. Il est signé par celui qui vient de rentrer en cours de match. C'est Sami Al-Jaber, 4-1. Allez, on se demandait si les Saoudiens allaient justement miser tout sur la défense pour ne pas en prendre un cinquième ou alors continuer de jouer. Bah, ils continuent de jouer. Et c'est tout à leur honneur. Et ça combine d'ailleurs pas mal côté saoudien avec encore un bon ballon là pour Abdullah. Oh, il a passé la frappe, la parade de Degoy. C'est pas fini. Nouvelle parade de Degoy. Reprise, le poteau. Al-Jaber, 4-2. Et oui, incroyable. La Hollande qui se relâche en cette fin de match. Les Hollandais qui relâchent la pression après avoir passé 4 buts aux Saoudiens et qui du coup permettent à ces derniers d'inscrire deux buts signés Sami Al-Jaber. 88e minute de jeu, la Hollande qui se réveille un petit peu avec une frappe de Wim Jonk, c'est à côté, 4-2, on en restera là, la Hollande assure l'essentiel et le spectacle.